Prêt à repartir, les gars? Ça oui! Allons-y! J'ai déjà dû te demander, mais tu trouves ça vraiment bon, les bonnets? J'ai dû le dire maintes fois, mais oui, excellent. Ah! Ça fait du bien de plus avoir à se battre. Super mal au bras, t'imagines pas. Comment ça se fait? Tu t'es blessé? Non, j'ai fait de la muscu. Ah, j'ai des courbatures. Ah? Tu fais de la muscu, toi, maintenant? Un petit peu, quoi. Et pourquoi ça t'étonne tant que ça? Vous savez, je crois bien que le lac dont parlait Talcott est le lac Vesper. Monica et Dustin sont déjà partis en reconnaissance. Visiblement, l'Empire bloque le chemin. Il va falloir vous préparer, et comme il faut. Vous pensez être prêt? Iris, tu veux pas nous laisser seuls 2 minutes? D'accord. À tout à l'heure, alors. Bon, les gars. Il va falloir régler ce problème de bateau sans moi. Mais pourquoi? J'ai un truc à faire de mon côté.
Bon, très bien. J'imagine que c'est important. Quel plaisir de servir un prince comme toi. Bon, à plus. La grotte de la cascade était dans ce coin-là. Donc faut aller au nord maintenant, c'est ça? Il y a peut-être des impériaux. Soyons prudents. Dites, le chemin était bloqué? Et pourtant, personne ne nous a arrêtés. C'est comme s'il s'attendait à notre visite. Je m'attends presque à voir l'autre type, là. Il a le chic pour arriver au bon moment. Ah, tu veux parler du chancelier? Si c'est pour nous guider, ça me dérange pas plus que ça. Je me méfie de lui, et vous devriez en faire autant. Ah, tout ça ne me dit rien qui vaille. J'aurais préféré que Kor soit avec nous pour nous aider. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il est occupé? Si j'ai bien compris, il aurait accepté une mission dangereuse, en échange d'informations sur un tombeau royal. Toujours aussi bosseur, est-ce que je vois? Bon endroit pour prendre une photo souvenir, non? Ouais, si tu veux. Super!
À part chanter, on peut faire quoi sous cette pluie ? Dites, vous croyez que Gladio va bientôt revenir ? Faudrait déjà savoir ce qu'il est en train de faire. Tiens, tu fais une belle photo ? Bien vu ! Je prends ça en photo. Allez, un petit clic. Ça, c'est une photo qu'on devrait garder. Vous pouvez me dire ce que Gladio fait en ce moment ? Il doit être en train de draguer une pauvre fille, non ? Mais pourquoi j'ai posé la question ? La météo est déprimante. T'as raison. Noct, attention à tes arrières. Compris. Je vois que tu commences à t'habituer, pas vrai, Noct ? À quoi ? Bah, à faire les choses tout seul, à être un homme du peuple, quoi. D'un certain côté, c'est plus simple que d'être fils de roi. Ah, la région est infestée d'insectes. T'as raison. Attention, vous allez pas en croire vos yeux. On l'a déjà entendu, celle-là.
Pas de risque inconsidéré. Ouais, sans Gladio, pas le droit à l'erreur. J'avoue que tu m'impressionnes. Je sais. Mais qu'est-ce qu'il prend ? Mes excuses. Messieurs, quelle agréable surprise! Et allez, qui voilà? L'armée impériale est ici, restons donc ensemble. Pardon? Mais oui! Allons-y! Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner. Ce ne ferait que provoquer les soldats impériaux. Et à trois, vous ne faites vraiment pas le poids. Je vais vous demander d'attendre quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il a en tête encore ? Aucune idée. C'est bon. Venez. Alors c'est vous qui voulez entrer dans ma troupe. Les petits bleus qui ont besoin d'entraînement. Le prince Noctis et sa suite. Du calme. La politique ne m'intéresse vraiment pas, les bleus. Et je me fiche complètement de votre identité. Vous êtes prêts pour la mission ? Quoi ? Tu oublies ton entraînement ? Certes, je suis payé pour vous escorter. Mais restez tout de même sur vos gardes. Bon, amusez-vous bien. Commandant Aranea, je vous les confie. À mon avis, vous n'allez rien trouver ici. Si vous voulez entrer, il y a intérêt à être patient. À quoi pouvait bien servir cet endroit ? T'as une idée, Ignis ? Aucune. Je me demande bien ce que sont devenus les habitants. Pourquoi vous n'entrez pas pour les chercher ? Je vois pas d'entrée. En tout cas, pas à cette heure-ci. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette entrée ? L'Empire l'a bien cherchée, aussi. Il suffit d'attendre la nuit.
et la lumière fut. Bonne idée. Il est déjà si tard. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hé, hey, regardez ça! Ah, il y a de la lumière. Serait-ce l'entrée? Bah, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Bingo! C'est ouvert. Bon, on n'a plus qu'à entrer. Bon, allons-y. Allez, on y va! T'es aventureux pour une fois. Ce sont des amis, les deux, dehors? Ils ont l'air de tenir à vous. Ah, Biggs et Wedge. Ce ne sont pas vraiment des amis, plutôt des subordonnés. Mais ils ont toute ma confiance. Oh, elles vont jusqu'où comme ça, ces marches? On s'enfonce de plus en plus. Enfin! J'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Les gens d'ici devaient avoir de sacrés mollets. C'est bizarre. Ils ont laissé la lumière allumée. Vous croyez qu'il y a encore quelqu'un ici? Non. J'ai peur qu'on ne soit pas les bienvenus. En effet, prenons garde. Vous voulez dire que c'est un piège? Possible. Et si on reprenait l'escalier? Très bien. Fini de jouer. Terminé. Bon, on passe à la suite. En tout cas, l'érosion a bien fait son travail. Donc, en gros, ça pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre. Regardez où vous mettez les pieds. Laissez-moi faire. Fais gaffe à ce que tu fais. Désolé. En avant. Finissons-en. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Ah, oh, c'est trop bon. Tranquille. Belle performance, Tom. Merci. Allez. Petite prière. T'es une vraie tueuse, Aranea. Merci du compliment. C'est absolument superbe. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Oh. Regardez là-haut. On dirait une surface d'eau.
Hein? Mais alors, ça veut dire qu'on est sous l'eau? Waouh! Il y a même des poissons! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-il possible que nous soyons vraiment submergés? J'ai l'impression que j'ai plus de mal à respirer. Attention! Là-haut! Rien, on arrête, non! Je sais. Ah. Vous permettez la chèvre? Je vous en prie. Mais ça me gêne de laisser une dame se salir les mains. Fallait y penser avant. Personne n'est mort? Non. Toi, ça va? Parfaitement. Là, il y a un passage. C'est bizarre. Il y a un truc qui me tracasse. Quoi donc? On n'aurait pas raté un truc ici? Qu'est-ce qu'on aurait? Est-ce qu'on peut... T'inquiète, ça tient. Rien n'est moins sûr. Oh. Attendez-vous surtout à des démons. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Seulement que l'armée les observe de très, très, très près. Que recherche l'Empire par ici? Des spécimens. On en récolte sans cesse. Spécimens de quoi? De démons. Et pourquoi l'armée s'intéresse tant aux démons? Tu n'as pas une petite idée? Ben non. Ah, il faut que je devine! Et si je te disais qu'ils en font des armes? Hein? Oui, vous en avez sûrement vu plein. Quelque chose cloche sérieusement avec l'Empire depuis quelque temps. Ouais, enfin, c'est pas nouveau, ça. En effet. Je me demande si je ne devrais pas démissionner. Pardon, quoi? Mais qu'est-ce que tu ferais si tu démissionnais? Ce que je veux. Je suis mercenaire à l'origine. Avec mes compagnons, on pourrait par exemple chasser des démons. Ah oui. Ça te changerait. Je gère les opérations cette fois. Mais sois bref. Et précis, s'il te plaît. Fini de bricoler! À l'attaque! Terminé. Bon, on passe à la suite. Qu'est-ce qui te fait dire que quelque chose cloche avec l'Empire? Oh, l'Empereur et le nouveau grand commandant, pour commencer. Et ne parlons pas du chancelier. C'est trop pour moi. Ça va pas s'effondrer, hein? Arrête de stresser. Oh. Quoi? Un truc s'est effondré? Oh. Non!
le programme. Brillant. Évidemment. Ah. À l'avant. Merci du compliment. Hé, vous savez quoi ? Quoi ? Ça sent le gros trésor à plein nez. C'est vrai que ça donne cette impression. N'oublions pas ce pourquoi nous sommes venus. Ok. Très bien. Fini de rigoler. Prêt à collaborer? Je suis prêt. Terminé. Bon, on passe à la suite. Je m'en doutais! En garde! Oh mince! Il est énorme, lui! C'était à prévoir. Et il a des pattes en plus! On va pas s'ennuyer! Écrasons-les! Fais gaffe à ce que tu fais! Désolé! Je t'aurai! En avant! Yeah!
Par ici! À l'avant! Personne n'est mort? Non. Toi, ça va? Parfaitement. Où est-ce qu'on est? Bon, quelle est la stratégie? On fonce dans le tas. On se contenterait de les contrôler. Avec Nocte, c'est presque des vacances. Un escalier, ça nous manquait. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Des marches à tout va, jusqu'où ça va, j'en ai ras-le-baba. Il craque, là. Merci du compliment.
on peut traverser. Et bien sûr, on va le faire. Bien sûr qu'on va le faire. On y va. D'accord. On dirait qu'ils veulent pas qu'on traverse. Remarquez, j'en meurs pas dans lui non plus. Hey, t'es vraiment trop fort. Je t'aurai. Le programme. Ignis, soyons précis. Un embranchement. Quel côté? Voyons par où y aurait un trésor. Si on le savait, ce serait facile. Eh ben, ce sera au petit bonheur la chance. Essayons de ne pas nous perdre. Au travail. Ok. Ok. Sérieux, encore ? Pas de repos pour les braves. Prends ça ! À mon tour ! Bien, quel est le programme ? Ok ! La perfection. Combo parfait ! En avant! Ignis, il rigole pas! Terminé! Bon, on passe à la suite.
n'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. En avant. En avant. Mon tour. Écris. Soit. Tu m'as appelé? Rien de personnel. À l'avant! Église, il rigole pas! Pas ça! Roland! Adieu! Ces affreux sont de plus en plus coriaces. C'est vrai? Il faut les écraser avant qu'ils ne montent en puissance. C'est pareil pour l'Empire. J'ai aucune idée de ce que tu racontes, Aranea. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il va y avoir un gros méchant. Si c'est le cas, on aura de la place pour l'encercler. Ça va être une promenade de santé. C'est clair. Eh ben, tu nous fais une version spéciale, là. J'imagine que c'est la version du boss. C'est pas ça? Puh! On a trouvé ce qu'on cherchait. Dis, Aranea. Oui? Ces armes liées aux démons, c'est quoi exactement? Vous avez déjà vu des soldats Magitech, j'imagine. Oui. Eh bien, ils sont le fruit d'expériences sur les démons. Qui sont issus de démons? L'Empire est devenu d'un sinistre. Il ne fait pas bon être prince. Ah, pardon, roi. Je sais.
Oh, de l'air! Bravo, c'est la fin de l'entraînement. De nombreuses épreuves vous attendent. Et sachez que les rôles ne sont pas gravés dans le marbre. Je ne suis pas sûr de voir clair dans ton jeu. Mais ton aide nous a quand même été des plus précieuses. Vous m'en voyez honoré, même si vous ne me faites pas confiance. Aranea, que les dieux te protègent. Oh, merci. Vous de même. Je vous entraînerai plus si nous nous recroisons. Ah, j'ai failli oublier. Le chancelier a insisté pour que je vous raccompagne. Alors, dites-moi quand vous êtes prêt à partir. J'avoue qu'on s'en est bien tiré quand même. Noct. J'ai reçu un message de Cindy. Ah ouais? Elle veut qu'on voie un ingénieur à l'Estaloum. Elle a une amie qui travaille à la centrale. Nous devons lui remettre le mithril. Ah, j'espère qu'après ça, le bateau sera enfin réparé. Une fois reposé, il serait bon que nous retournions à l'Estaloum sans faire de détour. Faites vos préparatifs. J'ai l'impression qu'on reviendra pas de sitôt à cet endroit. Faudrait peut-être en profiter pour pêcher. Vous allez à l'Estaloum? Je vous dépose là-bas, alors. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Allons-y. Alors, c'est parti. Oh, regardez! Ce vaisseau rouge,